Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce matin, départ du trail, des passerelles, le Maratrail, qui du coup ne sera plus un Maratrail puisque on est en alerte orange canicule. Et donc le parcours est un petit peu raccourci, on passe d'un 42 à un 39, mais ils annoncent 37, donc clairement ça me rassure. Je vous montre tout de suite ce qui nous attend. Je sais pas si ça va bien rendre, mais on va grimper sévère. Voilà, départ dans la vague 1 dans 10 minutes. On va profiter des températures fraîches pour le moment pour avancer au maximum. Et ça va être une très très belle journée, j'ai trop hâte de vous montrer ça. On va faire une ola dans quelques instants. Ça va partir du fond là-bas sous marche ce cognier. Alors avec moi, les arpilles les derniers. La ola qui se lance en 3, 2, 1. Derrière, la ola derrière, qui derrière, se lance, derrière, 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 derrière. On a déjà 4,5 km. Petit chemin sans difficulté pour le moment. On va pas tarder à rejoindre la passerelle. Je pense que ça va être grandiose. J'ai trop hâte. Oh la vache. Bon, nous voilà sur la passerelle. Comme prévu, je fais pas la maline, ça bouge de ouf. La seule question que je me pose, c'est est-ce que ça a été prévu pour qu'on passe à autant? Je sais pas si vous le verrez, mais ça bouge. Je m'attendais pas à ça. La seule astuce qu'on m'a donnée, c'est on regarde pas en bas, on avance. Je vous assure que ça fait flipper. Waouh! Léa. Oui. Sur YouTube. Comment ça va? Ça va, ça va. Oh, ah. C'est impec. Est-ce que j'ai au bon plan? Bon, on est sur la deuxième passerelle, la passerelle du Drac. A savoir qu'en fonction de la hauteur d'eau, nous on se situe à 45 ou 85 mètres. Ce qui est quand même assez haut. Ça bouge tout autant que la première.
mais un peu moins parce que comme ça a bien avancé, hein, mine de rien, le peloton s'est un petit peu étendu, donc il y a moins de monde, donc ça bouge moins. Et il y a du vent, c'est idéal pour se rafraîchir. Bon, je vais pas tarder à arriver au premier ravito. 9h30, il fait déjà très chaud. Ça va être compliqué. Et il y a mon chéri qui m'attend. Trop bien. Bon, sorti du premier ravito. Je vois que mes lunettes, elles sont pleines d'eau. Et on attaque la montée. 1 km vertical. 10 km de montée. Un peu plus de 1000 mètres de dénivelé. Autant vous dire qu'on va y aller. Piano piano. Le but, c'est juste d'arriver en haut. En plus ou moins bon état. Il fait déjà chaud. J'ai fait le plein. On devrait être bon. Allez, on est parti. À bout, 15 km, 1300 dénivelé, je suis rincée, j'ai pas de force là, c'est terrible, c'est... Je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer mon soir. J'ai pensé à abandonner au moins 30 fois là, c'est dur mentalement. Bon. La montée, c'est fini. Normalement. Je reprends un peu du poil de la bête. Je me suis sentie vraiment faible tout à l'heure. Pas bien du tout. Ça va un peu mieux. Le plus dur est fait. On a 1400 dénivelé sur 18 km. Autant vous dire que ça tabasse. Et là, on se dirige vers le prochain ravito qui va faire grand bien. Au début de la vidéo, je vous ai parlé que le parcours était modifié. Normalement, on devrait monter, enfin, on aurait dû monter vraiment tout en haut du Sénépi, vraiment la pointe, la cime en fait. Mais la montée se fait entièrement au soleil. Quoique là, on est quand même au soleil, donc je vois pas trop l'intérêt. Et là, en fait, on va bifurquer. On rejoint les coureurs du 68 en même temps. Et on part au ravito, les gars. On se sent tout petit là. Putain, ça se mérite. Qu'est-ce que c'est beau. Oh.
dans quel monde les descentes sont plus dures que les montées. Vous avez déjà fait du rappel, vous, en trail? Bah moi, je viens d'en faire. Je connaissais la technique de la corde sur les montées. Je viens de la découvrir en descente. Je viens de se prendre 1000 mètres de dénivelé négatif. Je suis cuite. J'ai beaucoup trop chaud. Ça devient très très dur. Rabito approche dans 1 km. Mais là, je peux dire que je souffre. Bon, je ressors du dernier rabito. J'ai eu un énorme coup de moins bien. Enfin, ça de prendre le dossard. Il est très chaud. Je veux juste que ça se termine. Là, on redescend et on va reprendre les passerelles de nouveau. Le plus dur est fait. Mais là, il doit être quelque chose comme 13 ou 14 heures. Et il fait juste 35 en plein soleil. Et je pense que j'ai fait un coup de chaud en fait. Mais mon chéri a trouvé les bons mots pour que je reparte. Donc j'y vais jusqu'au bout. Et nous y revoilà. Il reste 9 km. Je vous jure que je pensais pas voir de nouveau les passerelles. Ça a été un combat contre moi-même terrible. Bon, je suis rentrée dans le mode pilote automatique. Je suis dans ma bulle. Je veux juste que ça se termine. On a de la chance. Il y a quelques nuages qui par moments rafraîchissent un petit peu quand même. Mais là, waouh. Le marathon du Mont Blanc avait été dur. Je crois que là on est un stade au-dessus avec la température. C'est vraiment costaud. Mais heureusement l'orga. Mais c'est. Franchement c'est des pépites. Les ravitaux, ça va vite. Il y a de l'eau en profusion. Et ils ont fait un parcours à l'ombre. Donc franchement, c'est trop bien. Et heureusement, je me suis pas écoutée quand j'ai dit que je voulais abandonner. Putain, heureusement que mon chéri m'a dit de repartir. Parce que là, ça va beaucoup mieux. Vraiment mieux. Je pense réussir à courir quasi jusqu'à la fin. Donc c'est cool. J'aurais tellement regretté si j'avais abandonné. Ah, quand la tête elle veut pas. Y'a rien à foutre. J'y suis la toute dernière. Oh putain. C'était vraiment pas gagné cette histoire. Allez, j'apprécie la vue. Bon, je suis désolée si l'écran est sale, on vient de m'arroser pour me rafraîchir à mort. Là je suis trempée, mais j'ai bu chaud. Il reste 3 km. J'ai excessivement hâte d'arriver. Mon chéri m'attend avec un coca. Ça va faire du bien. Et je vais aller mettre les jambes dans le lac pour me rafraîchir. Là, un petit peu d'eau au citron, j'alterne marche-course. Je veux juste terminer et c'est tout. Voilà, c'est tout. Ah là là, c'est trop beau. Waouh. Ah putain, ça valait le coup d'aller au bout. Waouh. L'arrivée s'approche. Ça y est. Bon là on a un plein cagnard, ça va faire quelque chose comme 36-37, c'est horrible. Mais bon, on s'en fout là, on est arrivé, plus dur est fait, je crois entendre le speaker.
Putain. Ah, je suis fière de moi. On y est. On descend. Et on y est. Je suis cuite. Démarrer ou pas le barrage de Monténard, il se trouve à Lyon. Et ils font ça en fonction des besoins qu'il y a sur le réseau électrique français. Donc c'est vraiment des outils indispensables et on est ravis de mieux les faire connaître. Voilà, et puis bah, encore bravo à tous les bénévoles, à vous aussi les coureurs, parce que c'est courageux de courir par cette belle journée. Et puis encore merci à toute l'équipe. Allez, on coupe la montre. 7h23, je suis cuite. Oh, je vais boire un coup, je vous explique après. Bon, et bien vous l'avez vu. Voilà, finisher en 7h23. Je suis vraiment allée au bout de moi-même. Ça n'a pas été facile du tout cette course. Mais pour autant, je vous la conseille parce que bah, c'est magnifique. Franchement, regardez-moi ça le décor. C'est ça tout le long, c'est trop beau. L'organisation, pépite. Ils avaient rajouté beaucoup de points d'eau. Les ravitaillements sont hyper complets. Et surtout, ça va hyper vite pour remplir ces flasques qu'on n'attend pas. Et ça, c'est bien quand il fait genre 35 degrés. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker et même à la partager si ça vous dit. Et pour la prochaine vidéo, on se retrouvera à l'Infernal Trail des Vosges, voilà, déjà au mois de septembre sur le 100 km. J'aurai pas d'autres dossards en attendant. Je ne prends plus de dossards en été. Si jamais j'ai envie d'en reprendre un, rappelez-moi que j'en ai chié aujourd'hui. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Allez, salut. Bon alors par contre, je suis pas la seule à part avoir aimé les descentes. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé des grosses descentes avec les cordes et tout, bah mes chaussures ont passé l'arme à gauche. Voilà, j'ai un énorme trou dans le mèche. Et le souci c'est qu'en fait c'était des descentes en dévers et j'avais tellement le pied qui tapait sur le côté que ça a fini par péter le mèche. Genre j'ai un énorme trou. Donc bon bah, go en racheter.